Je vais ouvrir ton micro, ne te dérange pas, j'ai juste coupé pour qu'on n'écoute pas le son de derrière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à notre édition de rencontre hebdomadaire. Nous recevons quelqu'un d'assez particulier aujourd'hui. Vous savez que ce plateau, on a déjà eu l'habitude de recevoir des personnalités. Mais la personne que nous recevons aujourd'hui, c'est quelqu'un d'assez particulier. Pourquoi? Parce que déjà actif sur la plateforme multimédia, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, pour ceux qui le connaissent, le grand prince, comme on l'appelle, le grand prince du royaume Bamoun, n'est pas quelqu'un d'ordinaire parce que pour tous ceux qui suivent ces directs, pour tous ceux qui ont le temps d'aller sur ces plateformes voir la façon dont il communique de façon écrite ou audiovisuelle, il a démontré aujourd'hui au Camerounais qu'il est quelqu'un qui sait comment tenir des personnes en haleine. Et il a aujourd'hui aussi, si on peut le dire ainsi, il fait partie de la caste de ceux-là qui nous apportent toujours des scoops, comme on dit parfois chez nous en journalisme. C'est un plaisir, vous savez, vraiment renouvelé de savoir que le grand prince fera partie de notre public ce jour. Donc, pour tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à aller suivre cette retransmission directement de sa plateforme ou bien inviter le maximum de personnes ici en partageant, en créant des séances vidéo dans vos plateformes. Partagez massivement parce que la personne que nous recevons aujourd'hui, c'est le grand prince. Alors, je vais me tourner du côté déjà de voilà des locaux de Stevie pour voir dans quelle position le grand prince se trouve. Il est assez bien habillé. Pour tous ceux qui le connaissent, vous savez qu'il sait se tenir toujours sur quatre épingles. Le grand prince aujourd'hui nous fait honneur de nous tenir compagnie et de nous apporter des éléments vraiment qui vont nous permettre sur le plan politique, sur le plan prendre un peu mieux la sphère politique du Cameroun et la situation globale actuelle du pays. Donc, nous allons parler entre autres des questions politiques du Cameroun. Nous allons passer aussi à côté des rapports qu'il a avec la société camerounaise de la diaspora parce qu'il a l'une des pages les plus suivies. Et il suscite le plus d'intérêt aussi en ce qui concerne les personnalités politiques qui sont dans la diaspora. Donc, Grand Prince, c'est avec un grand plaisir que je vais cette fois-ci déjà sur notre plateforme. Voilà. Grand Prince, bonjour et bienvenue. Je vais ouvrir le micro du Grand Prince.
Allô, grand prince, est-ce que vous m'entendez? Je vais encore essayer de relancer le microphone. Il y a un petit souci au niveau. Je crois que c'est à vous d'ouvrir votre microphone de votre côté. Bon, moi je voilà. Voilà, super. On vous écoute 5 sur 5. Le son est parfait. Voilà, merci. Alors, grand prince, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à mon frère qui est dans l'Allemagne, M. Sam. Le frisou partagé. Alors, je ne sais pas quelle heure il est chez vous aux États-Unis. Je suppose que ce n'est pas assez facile hein, avec les activités qui sont les vôtres. On vous sait très occupé. On sait que dans votre quotidien, il y a beaucoup de choses à faire, tant du côté du Cameroun que de la diaspora. Alors déjà, comment est-ce que vous avez passé la semaine avec l'ensemble de ce que nous vivons du côté du Cameroun? L'ensemble de quoi? Comment est-ce que vous avez vécu la politique camerounaise ces dernières semaines? Ces dernières semaines, quel est votre état d'esprit quand on parle du Cameroun aujourd'hui? C'est juste une question comme ça, hein, avant qu'on ne commence les présentations. Bon, non, mais en fait, comme vous savez, il y a la crise politique au Cameroun que le gouvernement camerounais refuse de négocier avec l'opposant camerounais, et je vais dire Maurice Kamto. Moi, j'essaye de partager mes idées de temps en temps avec vous, mes amis, sur ma page Facebook. Donc, la situation, pour le moment, n'est pas gaie. Ça, je peux quand même vous confirmer ça aujourd'hui. Super. Donc la situation n'est pas gaie. Alors, Grand Prince, c'est vraiment un plaisir. Hein. Je renouvelle encore. Voilà, je renouvelle encore que c'est un plaisir vraiment particulier de t'avoir ici aujourd'hui. Alors, nous allons déjà, en attendant que les camarades, les amis continuent de partager au maximum parce que c'est le Grand Prince lui-même qui a dit, il y aura beaucoup de révélations dans cet entretien aujourd'hui. Donc, voilà. Je salue tous ceux qui sont connectés, ceux qui partagent. C'est une bonne chose de vous savoir partageant. Merci de continuer de partager. Grand Prince, si aujourd'hui on peut définir qui vous êtes, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Définis quoi? Comment est-ce qu'on peut voir le Grand Prince Bamoun aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut le définir? Si quelqu'un me demande qui est le Grand Prince, qu'est-ce que je devrais lui dire? Ah oui, bah, je suis comme monsieur tout le monde, j'essaie de m'effacer, mais tout le temps interpellé par les médias. Moi, je suis comme vous, je suis la comme vous, je suis du palais royal, je suis de la famille royale, tous ceux qui connaissent la famille royale, donc le roi Jacques qui a été déporté à Yaoundé. Par les colons français, c'est mon grand-père. Donc, je suis parti du Cameroun à l'âge de 16 ans. Pour la France, après la France, je suis parti aux États-Unis. Et donc, je suis depuis entre, coupé de séjour entre la France et les États-Unis parce que moi, j'ai eu des enfants en France. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit coucou à ma fille à Paris, la princesse Abida, qui en ce moment nous regarde en direct de Paris. Ah, j'espère qu'elle est connectée, hein. J'espère qu'elle est connectée et qu'elle vous suit. Donc, bien le bonjour à tous nos amis qui sont du côté de Fumban. C'est avec une très grande joie que nous nous connectons à vous aujourd'hui, passant par le Grand Prince. Donc, vous voyez qu'à quelque chose, il y a toujours bonheur quelque part. Bon, alors, Grand Prince, je vais vous poser la toute première question. La toute première question de ce soir, c'est de savoir comment est-ce que le Grand Prince décrit en quelque sorte le royaume Bamoun ou le royaume que nous avons à Fumban au Cameroun. Bah, tous ceux qui ont fait nos études au Cameroun, comme toi et moi, on a fait nos études au Cameroun, on connaît un peu l'histoire du royaume Bamoun. C'est une dynastie qui date de 650 ans. Ah, donc, vous savez, ça a quand même fait son petit bout de chemin. Et toute l'histoire. Celui qui a vraiment marqué le Cameroun, c'est notre mon grand-père qui est le roi Ndjeya, qui a quand même fait quand même beaucoup de choses et qui est resté dans l'histoire du Cameroun.
Mais la personne qui a conquis le royaume Bamoun, c'est Charlie. C'est ce premier roi et qui a guidé, comme vous savez, jusqu'à notre grand père, qui est notre grand père chéri. Et c'est pour ça que, à chaque fois quand je pense à mon grand père, le roi Andrea, j'ai mal et je me dis, c'est pour ça que j'ai eu haine pour les Français parce qu'ils avaient déporté mon grand père à Yaoundé. Heureusement que le roi Samba, parce qu'il s'appelle Samba, avait bien reçu mon grand père à Yaoundé. Et c'est comme ça comment j'ai, comme tu nous dis dans d'autres circonstances, dans d'autres conférences que j'ai faites, que comme beaucoup de gens m'ont dit, que m'ont envoyé des messages en privé en disant que j'étais un peu pour contre les boules. Je suis ici à confirmer que je ne suis pas contre les boules, puisque dans ma propre famille, il y a le boulou et les Yorondos et les Etons. Donc je ne suis pas contre les boules. Mais quand j'ai parti du Cameroun, je n'avais pas. C'est vrai que je ne faisais pas la différence entre les boulous et les autres. Mais depuis pratiquement quelques années, je crois plus ici déjà, on nous parle de Bambité, de Bamoun, de Bassa, de Machetou. Je n'ai pas connu ça. Et donc, je dis encore, je tiens encore à obtenir ici que dans ma propre famille, j'ai les Bassa, j'ai les Nodis. J'ai le doigt là, j'ai presque tout le monde dans ma famille. Et pour votre gouverne, j'ai mon grand-père avec 350 femmes. Alors, vous comprenez que. 350 femmes. 350 femmes, donc vous comprenez que. Vous savez que c'est pour ça que je ne peux pas être tribaliste. Waouh, très intéressant. Merci encore pour cette lumière. Merci encore pour cette lumière. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment est-ce que le peuple Bamoun vit ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des jeunes frères qui viennent vers vous et disent grand prince, on a besoin de votre soutien, éclairez-nous, comment est-ce qu'on peut on peut s'en sortir avec, ou bien lire la situation politique du Cameroun. Qu'est-ce que vous leur dites? La situation politique du Cameroun, je crois qu'on aura le temps de parler de ça, mais sauf que la situation, c'est le statu quo, parce que il y a beaucoup de gens qui refusent de perdre leurs privilèges. Et c'est ça le cas, c'est le cas de dire. Et beaucoup de gens refusent de faire le privilège. Pourquoi? Parce que ils savent que s'il y a un changement demain, eh bien, ils n'auront plus le même privilège qu'ils ont eu dans le passé. Alors c'est pour ça que je ne sais pas si vous êtes au courant que depuis pratiquement depuis la situation de Paul Biya au pouvoir, les peuples Bamoun, pendant les 10 premières années, votaient Paul Biya à 100%. Quand ils se sont rendus compte que les peuples Bamoun, le mouvement des pays vient pour les pays Bamoun, et c'est pour ça qu'ils se sont tournés maintenant pour voter l'opposition. Et c'est pour ça que le pays Bamoun est à 90% les Bamoun à 90% votent l'opposition. Et il y a peut-être 10% qui, comme ça, qui sont encore, je dirais encore, les sympathisants de pouvoir en place, c'est-à-dire que le RDPC. Donc, ils sont bons. Donc, la majorité des Bamoun sont les opposants au régime actuel. Et bon, il y a des gens qui ne voient plutôt leur intérêt, mais ils voient pas l'intérêt du peuple Bamoun. C'est ça que j'avais annoncé il n'y a pas très longtemps, que je me rappelle très bien, quand votre papa avait demandé au peuple Bamoun de voter bien à 100%, et Bamoun aussi. Mais quand, avec l'événement de la démocratie, ça crée beaucoup plus de problèmes. Je ne vous apprends rien puisque vous êtes au courant de tout ce qui est passé. L'humiliation que ma famille a endurée depuis l'événement de la démocratie. Et c'est pour ça que je ne me suis jamais intéressé à la politique camerounaise. Et comme j'ai toujours dit dans d'autres circonstances que je m'intéresse à la politique camerounaise, ça fait vraiment quoi? 2 ans que je m'intéresse à la politique camerounaise. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un qui n'a pas faim, qu'on ne peut pas corrompre. Et j'ai adhéré. En fait, comment ça a commencé? Moi, je suis dans le Colorado, à Denver, Colorado, rendre visite à un ami. Et pendant qu'on parlait, moi, la personne que je soutenais beaucoup plus, c'était Kabali. Alors moi, je suis dans le Colorado et puis le gars me dit, écoute, Prince, tu fais fausse route de suivre quelqu'un, un membre du gouvernement,
un traître, un opposant traître. Je dis pourquoi? Il me dit que donc Abba lui dit c'est pas la personne indiquée pour c'est pas la personne qu'il faut. Alors nous avons reçu Abba Libé aux États-Unis. Il était chez un ami au nom de Managa. Bon, je connais très bien parce qu'il est connu. Il avait une voix de nuit au Texas. C'est comme ça que moi, je reçois un ami, un appel, un ami qui m'appelle de Oklahoma, qui me dit, écoute, Prince, la personne, l'opposant le crédible actuel, c'est Kamto. Je ne connaissais rien sur Kamto. Je n'avais jamais rencontré dans ma vie. Et c'est comme ça que moi, j'ai demandé qu'on m'envoie son programme politique. Et quand j'ai reçu son programme politique, j'ai vu que son programme politique m'intéressait. Parce qu'avant, pendant au moins plus de 15 ans ou 20 ans, je crois, je parlais beaucoup plus des problèmes dans mon village, c'est-à-dire que dans le monde, puisque je suis prince d'Amo. Donc, j'ai dénoncé tout ce qui s'est passé dans le monde. Bien que, avec tout ce que j'ai fait, bon, les gens ne sont pas reconnaissants, mais ce n'est pas grave. Mais alors, donc, c'est pas quand j'ai commencé à m'intéresser au programme politique de Boris Kamto. Et tous ceux qui ont suivi la toile, quand j'ai prononcé le nom de Boris Kamto, ça a fait tout un tourbillon médiatique où ma propre famille m'a critiqué tout le nom. Même beaucoup des gens de chez moi m'ont dit que j'ai trahi, n'est-ce pas, la famille, parce que, bon, comme vous le savez, mon père est membre du bureau politique de l'EPC, qui est notre chef de famille. Et il avait fait une déclaration dans les médias. Bon, ça m'a un peu poussé à me rébeller un peu. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on peut se rébeller un peu contre son père, mais ça n'a pas dit que je ne respecte pas mon père. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la politique camerounaise. Et quand je me suis intéressé à la politique camerounaise, vu mes relations que j'ai avec des amis, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou ailleurs, donc des amis, des contacts. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux amis que j'avais pu téléphoner depuis des années et tout, pour essayer de voir ce qui se passe pour le Cameroun et tout. Et c'est comme ça que moi, je suis informé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on me dit que, bon, moi, je peux parfois le dire. Pourquoi? Parce que si je le dis, ça va créer beaucoup plus de problèmes. Et vous savez, quand j'ai une information et qu'il va faire la une des journaux, quand je parle, ça fait tout un tourbillon. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que, bon, voilà, je pense que on peut changer. Et j'ai vu le Camerounais qui était vraiment... qui veut le changement. J'ai vu les gens qui se souciaient. Et puis, à chaque fois quand je pars au Cameroun, je vois la misère, la pauvreté, la mendicité, la délation, beaucoup de choses. Donc, j'ai décidé que bon, bah, je vais suivre le programme de Boris Kamto. Et c'est pour ça que depuis pratiquement 2 ans, je suis ambassier par certaines personnes de ma famille. Ok, ça emboîte la question même que je voulais poser. Vous avez parlé de l'ambiance dans votre famille et c'est assez compréhensible parce que vous dites que c'est une famille dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont encore actives dans le cadre du RDPC. Mais avec le sultan même, quels sont vos rapports? Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes dans deux camps pratiquement politiques différents, comment est-ce que vous réussissez à gérer ça en tant que grand prince vis-à-vis du sultan? Oui, ça m'a mis dans une situation pas très confortable, vous savez, vu ma position vis-à-vis de ma famille. Moi, je, c'est vrai, ça n'a pas été très facile pour moi. Mais sauf que j'avais essayé d'expliquer à notre chef de famille, parce que avant qu'il est roi de Bamou, mais il a aussi une famille.
Tu vois, donc on peut de temps en temps parler entre nous en famille. Tout à fait. Tu vois, bon, mais avec les. Moi, j'ai la chance que le peuple Bamou, je dirais même à 115% me suit. Et pas mes œuvres, parce que je fais quand même beaucoup des œuvres dans le pays Bamou. Et ce n'est pas venir seulement parler pour animer l'atmosphère ou bien animer la galerie. Mais il faut d'abord poser des actes dans ton propre pays et faire des choses pour ton peuple. Pour lutter contre la et tout. Je veux en mettre en lumière tout ce que j'ai fait en moins de 20 ans dans mon pays, c'est-à-dire que dans le pays Bamou. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller à Soumben, ils vont voir mon nom partout. Donc, parce que j'ai fait quand même pas mal de choses pour mon pays. Mais ça, quand je prends une décision en disant que je vais peut-être m'intéresser au programme politique de Maurice Kamto, où je reçois. Ça n'a pas été facile, hein. Ça, j'imagine bien. Je me suis fait embastiller sur la toile. Vous savez, quand. Moi, ce qui m'a fait mal, ça, je ne vais pas vous cacher aujourd'hui. C'est que moi, j'aurais aimé que mon père, s'il est fâché contre moi, qu'il m'appelle en privé, parce qu'il a mon numéro, et qu'il m'appelle en privé, il me dit : mon fils, ce que tu as fait, la déclaration, ou bien ce que tu veux faire là, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà comment je veux m'assurer. Il n'a pas fait. Et il a demandé que le palais publie un article contre moi pour me désavouer. C'est assez grave, grand prince. C'est assez grave. Alors, mais comment maintenant, dites-moi un peu, maintenant on va quitter du domaine familial, hein, parce que c'est un domaine privé. La famille, c'est quelque chose de privé, donc je ne vais pas longtemps rester là-dessus. On va partir sur la question politique au Cameroun. Au début, vous avez expliqué clairement quelle est la dynamique qui a fait que vous entrez dans le schéma du professeur Kamto. Et vous avez dit que le professeur Kamto, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'assez crédible, puisqu'au départ, vous n'étiez pas dans sa logique. Mais peu à peu, vous avez compris qu'il était celui-là qu'il fallait. Comment est-ce que vous pouvez décrire le professeur Kamto déjà en quelques mots? Moi, c'est un monsieur que je suis pour le temps. Je lis ses déclarations. Je trouve qu'il est consistant. Et j'ai fait des recherches sur lui. J'ai demandé, parce que moi, avant de m'intéresser, avant de me prononcer, j'ai d'abord fait des recherches. Qui était Kamto? Parce que je ne connaissais même pas Kamto. Vous savez, moi, je suis parti du Cameroun, c'est quand même un moment. Donc, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai alors appris à le connaître. Et c'est là où j'ai compris la fait l'éducation, qu'il a grandi dans le village de mon maman. Et quand j'ai fait des recherches, il se trouve que, bon, il a grandi dans le village de mon maman, qui se trouve à Malantion, qui est à 30 km de Soumben, et qui n'est pas voulu depuis l'indépendance. Ça fait plus de 115 ans. Et il a grandi là-bas. Et je comprends que, en tant que frère de l'Ouest, donc je me suis intéressé à lui. Et puis, bien entendu, à son programme. C'est parce qu'il a. Il a grandi à Valentin que je m'intéresse à lui, mais je m'intéresse à lui par rapport à son programme politique. C'est pour ça que je m'intéresse à lui. Bien entendu. Alors, Grand Prince, c'est vrai que là, on a compris déjà votre lecture par rapport au professeur Maurice Kamto. Entrons maintenant dans la politique du Cameroun. Comment est-ce que vous faites déjà, parce que beaucoup se posent la question, comment est-ce que le Grand Prince fait pour avoir autant d'informations cruciales que beaucoup n'ont pas? Moi-même, parfois, en tant que journaliste, il y a des informations que le Grand Prince a que je n'ai pas. Comment est-ce que le Grand Prince fait? C'est quoi la recette? Pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de me connaître et ceux qui ont eu le privilège de me rencontrer, au contraire, le privilège que je suis, connaît d'abord qui j'étais avant. N'oublie pas que je ne suis plus, j'ai travaillé secret. Je ne vais pas vous donner le nom, donc il y a quand même des choses que je ne vais pas vous dire, mais je ne serai plus là-bas. Bon, donc, c'est ce qui fait que je suis ouvert. C'est-à-dire que j'ai mon. L'agenda encore ouvert. Mon contact, voilà. Donc, j'ai. Bien avant, j'ai fait enlever des commissaires de police à l'aéroport de Simaline, j'ai fait
J'ai appelé les diplomates parce que j'ai dénoncé certaines choses. Donc, ce n'est pas un type de ménage que j'ai fait, mais maintenant, je suis sorti maintenant dans le cadre de soutien que je faisais en privé. Maintenant, je sors maintenant pour partager des informations, tout ce que je connais avec vous, mes amis. Donc, pourquoi ? Parce que je ne pense plus que... En fait, jusqu'à il y a 2 ans, je croyais que, avec tous les enfants que j'avais, je croyais que Paul Biyanale puisse se représenter aux élections présidentielles. Et quand il se représente aux élections présidentielles, c'est là où j'ai compris que ça ne vaut pas la peine et il fallait qu'on expose. Bon, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à parler de beaucoup de choses et à travailler beaucoup de choses. Et comme moi, je suis un fidèle, je ne dénonce pas, je ne trahis pas mes amis. Donc, les gens m'envoient de plus haut placé. Comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, enfin, je dois donner une précédente conférence, j'ai dit que je suis l'homme, je dirais pas l'homme le plus informé, mais je suis parmi ceux qui sont beaucoup plus informés au Cameroun. Et j'ai beaucoup d'informations que chaque fois que je pose un acte, ou bien quand je vais dire quelque chose qui va exposer les choses au Cameroun, le palais est assiégé. Je vais prendre un exemple. Mm-hmm. On me réveille à 4h du matin en Amérique. On est en train d'insulter mon père sur la toile. Les Camerounais, la diaspora insulte mon père parce qu'il fallait aller à Bafoustam soutenir le sultan roi des Bambous, le président Paul Biya. Et bien lui, il est le coordinateur de l'Ouest et de l'EDPC. Alors, il n'avait pas un programme pour aller à Bafoustam. Maintenant, que s'est passé, c'est que Kweke et Ignac Lefenge, ils ont écrit leur motion de soutien à Paul Biya. Et il a demandé au sultan roi de Bamoun, qui est le coordinateur de l'Ouest, de signer. Mais ce n'est pas lui qui avait écrit. Donc, j'étais informé. J'ai demandé à notre chef de famille, qui est le sultan Wale Bamou, de m'envoyer son programme la semaine. Et le palais m'a envoyé le programme du roi. Donc, dans ce programme-là, j'espère que vous avez suivi quand même le début que j'ai donné à Cory. Dans ce programme-là, il n'y avait pas Bafoussam. Donc, pourquoi on arrête d'insulter mon père sur la toile? Eh bien, je suis sorti maintenant pour dire que mon père n'a rien à voir avec la marche programmée à Bafoustam. C'est Kweke et Ignac du Fenjou, que je connais très bien d'ailleurs. C'est des gens que je connais très bien. Je connais Ignac, qui était notable à Pou. Donc, c'est le papa que je connais, qui vient tout le temps au palais. Donc, maintenant, alors je demande aux Camerounais, la diaspora camerounaise et tout, de ne plus s'attarder parce que bon, beaucoup de gens. Donc, quand je fais ce sorti, je dénonce. Le lendemain, on se retrouve au palais avec 8 différents ministres du Cameroun au palais pour dissuader mon père à aller à Bafoussam. Le rôle c'était quoi? C'était de l'empêcher d'aller à la marche qu'il avait eue à Bafoussam. Non, le rôle était qu'il fallait qu'il aille à Bafoussam. Mais il y a aussi son programme. Donc quand moi j'ai fait son sortie, eh bien, vous imaginez un peu, c'est que ça a fait comme polyvolue, diatique. Et c'est pour ça que le lendemain, il a pris la décision d'aller à ses marches et il a changé son programme. Alors il a changé son programme et on me demande de sortir et annoncer qu'il va à la Bafoussam. Vous imaginez un peu, moi j'étais pas, bon, ça m'a valu ce que ça m'a valu, bon moi je ne sais pas, je passais. Mais c'est pour vous dire que moi quand j'ai une information, je vérifie d'abord l'information avant de partager avec les gens. Il y a des gens qui ont des informations, que je n'ai pas partagé l'information, je parle au conditionnel. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps. Quand j'annonce que je vais parler, ça veut dire que j'ai quelque chose. Mais si je n'ai pas quelque chose, je ne parle pas.
C'est vrai qu'il y a quelques jours, j'étais trop, trop fâché parce que, contre les Camerounais. Pourquoi? Parce que Moïse Sam a été embassé. Je me rappelle même de ce direct dans lequel vous avez. Le titre, c'était Pourquoi les Camerounais sont. Je ne vais pas dire le mot, mais vous étiez très en colère. On vous a vu remonter vraiment dans ce direct-là. Qu'est-ce qui a motivé ce direct déjà? Bah, mon problème, c'est pas c'est que moi, ce qui me dérange avec les Camerounais, c'est que les Camerounais, ils parlent beaucoup de la Côte d'Ivoire, ils parlent de Ouattara, ils parlent de Gbagbo, ils parlent de Bédié, machin et tout, mais ils refusent de parler du problème du Cameroun. Et ils se soucient beaucoup de ce qu'ils font à la Côte d'Ivoire. Et j'ai bien dit, Ouattara, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en 10 ans, ce qu'il a fait en 10 ans, le président Paul Biya n'a pas fait ça en 39 ans. Ça, je confirme, je pèse mes mots. Il n'a pas fait ça en 39 ans. Donc, c'est pour ça que je dis que arrêtez de parler de la Côte d'Ivoire. Parlons du Cameroun. Voilà un opposant qui se bat pour vous. Moi, je l'ai dit, je dis, maman, qui se bat pour vous. Quand je vis au Cameroun, quand je suis au Cameroun, je vois la misère, la pauvreté, la mendicité. Ça me revient. Alors maintenant, vous voyez quelqu'un qui se lève un matin, il se bat pour vous avec tout ce que ça comporte. On a traité Maurice Kamto de tout le nom que tu peux imaginer. Mais il a pu surmonter tout ça pour les Camerounais. Parce qu'il y a une majorité des Camerounais qui soutient son programme politique. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans le NSC, mais qui soutiennent le programme politique du NSC. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit que ça, j'étais en colère, parce que comment on peut aller, les militaires et les gendarmes peuvent aller embasser quelqu'un chez lui, et les Camerounais sont là comme si c'était pas leur problème. C'est ça qui m'a révolté. Et je me suis dit que, mais ça sert à quoi alors de se battre pour des gens qui ne se soucient pas de leurs propres problèmes? Parce que nous, à la diaspora, on a quand même le minimum. On a de quoi survivre au quotidien. Mais eux, il y en a plein qui n'ont même pas $1 par jour. Qui vivent moins d'$1 par jour. Oui. Alors nous, on ne peut pas toujours faire des choses pour les gens sur place. Eux aussi, ils doivent. Alors c'est pour ça que j'ai interpellé le président de la République il y a quelques jours. Qu'il parle avec les Camerounais. Ça, c'était avant le 22 septembre. Je lui ai demandé de parler avec les Camerounais. Il n'a pas écouté. J'ai vu le ministre Diego Ouana qui sort pour essayer de faire un peu l'histoire de ses relations avec Kakuto, pourquoi, machin, et tout. Mais à partir du moment où vous ne voulez pas négocier, mais si quelqu'un a le courage de faire ce que Kamto a fait, moi, c'est un acte qui me va toujours au cœur. C'est pour ça que moi, j'ai soutenu l'action. Mais l'action n'était pas que... Moi, je dis tout le temps, avec tout ce que j'ai comme information, le gouvernement américain sont prêts à faire des choses que moi, je n'aimerais pas ça dans mon pays. Nous allons venir à ça. Vraiment, merci déjà pour les réponses aux questions qui ont été apportées. Il y a beaucoup de personnes là qui posent des questions, mais comme on a dit, c'est un entretien assez simple aujourd'hui. Alors, je vais poser une autre question, Prince. C'est de savoir, avec tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, quelle est, selon vous, la place de l'opposition? Est-ce que le professeur Kamto est un suicidé, un sacrifié, puisque vous-même vous avez fait un direct pour dire aux gens que le Cameroun en fait ne se prenait pas, ne se mettait pas dans l'engagement qu'il fallait pour libérer le Cameroun. Est-ce qu'on peut compter sur le soutien aujourd'hui de certaines personnes encore, puisque vous avez des contacts? Est-ce qu'on peut compter sur les soutiens qui vont venir aider le professeur Kamto ou le MSC à s'en sortir dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Bien entendu, avec les informations que moi j'ai, des amis que je connais en France, que ce soit en France, au Canada et aux États-Unis, et en Allemagne bien entendu, là où vous êtes, Kamto est la personne indiquée pour le changement. Bon, maintenant, est-ce que
c'est le peuple. Parce que quand je parle avec les amis, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'on ne peut pas faire grand-chose pour vous, mais il n'y a que le peuple qui peut faire basculer les choses. Donc, si le peuple ne peut rien faire, et c'est pour ça que vous avez vu avant le 22, la menace que le ministre de la Défense territoriale avait fait. Et comme les Camerounais, c'est des bons parleurs, mais c'est des lâches. Quand je suis mal dit, c'est des lâches. Et ils préfèrent parler, de calomnier les gens, dire des choses sur les gens, mais quand il faut réagir, ils font les abonnés absents. Et c'est pour ça que je dis que la France, pour ne pas me tromper, soutient l'opposition camerounaise. Mais j'ai suivi certaines personnes, certains députés français, dit des choses, bon, ça c'est un langage que eux, mais les Français que moi j'y ai, je peux déjà vous dire que dans. Ça c'est une façon à prendre au conditionnel, parce que ça je ne suis pas encore confirmé à 100%, mais je peux déjà vous confirmer à 100% qu'il y a une délégation qui va aller au Cameroun, délégation française, c'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et bien d'autres personnes. Ça, c'est le nom que j'ai retenu. Qui vont aller dans, je ne sais pas combien de temps, mais je crois que ça va être avant décembre. Et puis, je peux encore vous donner une information. Le département d'État américain, comme nous avons comme chez nous, là, le département d'État américain va mettre. Bon, il y a les élections. Hein. Il y a les élections, donc il va bientôt interdire beaucoup de ministres camerounais, en fait, les visas. Il va interdire les visas, il ne va plus jamais donner le visa à toutes ces personnes pour le pouvoir de servir. Sauf si ce sont américains, bien entendu. Mmh. Interdiction d'atterrir sur le territoire américain. Alors, maintenant, je vais vous faire écouter avec tous ceux qui nous suivent aujourd'hui un extrait vidéo. Hein, beaucoup l'ont peut-être suivi dans leurs différents groupes. Donc, et après, on ne va pas en parler, Prince. Donc, je mets l'audio, un extrait juste, et après, on en parle. Au Cameroun, les États-Unis jouent une dernière carte pour prendre le contrôle des zones anglophones. L'opération Bamenda Clean, lancée le 8 septembre par le gouvernement de Yaoundé, est visiblement un succès et ramène la sécurité tant attendue par les Camerounais. De plus, la dernière tentative américaine était de nommer le président Biya persona non grata en Suisse, ce que la Suisse a refusé. Donc les plans américains de démembrement sont entièrement contrariés et l'ire de l'administration Trump se fait entendre. Car il décide maintenant d'attaquer militairement ces zones pour forcer le président Paul Biya à reconnaître la minorité séparatiste financée par Washington et donc de provoquer le démembrement tant attendu. L'administration Trump prétend donc ne plus avoir besoin maintenant d'un mandat onusien pour intervenir dans la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest au Cameroun, afin de mettre fin à ce qu'ils prétendent un pseudo-génocide et promouvoir le dialogue entre le gouvernement camerounais et les combattants séparatistes. Les termes utilisés sont forts, ils parlent de génocide et de crimes contre l'humanité. La nouvelle donc est tombée la semaine dernière dans les coulisses de la 75e Assemblée Générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York. Selon le New York Times et le magazine Fox News qui ont donné l'information, c'est l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies qui en a fait la révélation. Kelly Knightcraft a laissé entendre au cours d'une intervention dans le cadre des débats actuellement en cours aux Nations Unies sur les grandes questions mondiales que les États-Unis interviendraient de manière unilatérale dans les régions anglophones du Cameroun du fait de la détérioration donc du climat sécuritaire, du crime contre l'humanité, du génocide et des violations flagrantes des droits de l'homme dans les deux régions, prétendent-ils. La décision de l'administration Trump s'adossait sur des prétendus rapports bidouillés par des ONG qui sont à la solde de Washington, comme le Conseil norvégien des réfugiés, Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains. Rapport donc qui dénoncerait de façon récurrente les forces de sécurité camerounaises, de même que les séparatistes, pour des atteintes répétées aux droits de liberté, donc des citoyens. Selon l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, le Sénat et le Congrès américain auraient déjà marqué leur approbation sur ce projet d'intervention militaire américaine dans la crise anglophone du Cameroun.
Il ne resterait plus que la décision de ratification et de signature du président Trump pour entrer dans sa phase d'application, prévient donc Madame Kelly Knackkraft. L'intervention américaine dans les régions anglophones du Cameroun sera actée pour mettre fin au génocide et promouvoir le dialogue entre le gouvernement et les combattants séparatistes. Donc, voilà. Retour ici, hein. J'espère que vous avez eu le temps. Et sur les antennes d'un média français dont je ne citerai pas le nom, pour pas de publicité, que nous avons pu capter cet entretien-là. Alors, dans cet entretien, vous comprenez clairement que les États-Unis sont en train de s'engager à venir au Cameroun pour, en quelque sorte, arrêter déjà ce qui se passe du côté du Nozo et permettre donc un dialogue vraiment clair entre l'État et la partie du Nozo pour qu'on sache clairement de quoi il en ressort et qu'il y ait arrestation des personnes et jugement de ceux-là qui ont commis des crimes. Mais l'angle dans lequel cela a été traité, je m'en vais du côté. De reportage, parce que c'est là, vous voyez les rapports, donc l'impact psychologique des Camerounais. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez un truc pareil? Bon, là, je peux déjà vous dire, et je confirme, ça ne veut pas que je peux déjà vous confirmer que l'Amérique ne va pas attaquer le Cameroun. Ça, je peux déjà vous confirmer. Parce que moi, j'ai toutes ces informations, j'ai déjà vérifié toutes ces informations. L'Amérique ne va pas attaquer le Cameroun. Voilà ce que le Cameroun, bon, si celui qui est là maintenant, qui tombe maintenant, gagne les élections, voilà ce qui va se passer. De toute façon, le gouvernement camerounais, ils peuvent encore souhaiter, prier que Trump gagne les élections. Parce que si Trump perd les élections, c'est lui qui vient là. Il n'a pas été temps d'avoir le Cameroun. Parce qu'on a déjà trop de dossiers sur le Cameroun. Celui qui arrive là, s'il se bat depuis, vient là. Le Cameroun va avoir de sérieux problèmes. Donc, lesquels, par exemple, l'administration Trump fait trop de bruit. Mais il ne va pas réagir. Voilà ce qu'il veut faire si jamais il gagne les élections dans 3 semaines. Embargo contre le Cameroun, suspendre non seulement les aides au niveau de la Banque mondiale, couper le pont avec le Cameroun, garder juste les relations comme tu connais là. Donc, attaquer le Cameroun, c'est pas possible. La France a dit de prendre n'importe quoi, c'est pas vrai. Ça, c'est une façon que j'ai. Mais je peux confirmer que ce n'est pas possible. L'Amérique n'est pas prête. Déjà que là, présentement, il y a une crise aux États-Unis. Et ils ne sont pas encore prêts à attaquer un pays comme l'Afrique. Et le Cameroun, il apporte quoi d'Amérique? France, il apporte quoi d'Amérique? Bon, j'entends, j'ai suivi qu'ils financent dans la l'offre de suite, la zone anglaise. dans la suite de l'intervention de cette journaliste française, elle dit que si les États-Unis aujourd'hui réussissent à mettre une base militaire dans la partie nord du Cameroun, la France, les États-Unis auront vraiment un nouvel, elles vont plus peser en fait dans les rapports internationaux et parce qu'aujourd'hui avec l'Europe, il y a des problèmes en termes de rapports internationaux. Et quand on mettait une base militaire là-bas, les États-Unis ne pourront plus être contredits par quelque puissance du monde que ce soit. Donc c'est une volonté d'avoir plus de pouvoir des États-Unis. C'est ce que la journaliste nous dit. Oui, bon, ben, tu savais, les Français peuvent n'importe quoi, mais moi je peux déjà te confirmer que ce n'est pas possible. L'Amérique ne va pas attaquer le Cameroun. Ça, je peux déjà te confirmer. Oui, sanctions économiques, oui. Ça, c'est là. Dès que, après l'élection, là, ça va commencer à tomber. Ça, je peux te confirmer ça. Mais après attaquer militairement au Cameroun, non, pas possible, il ne peut pas le faire. Ça, le journaliste parle, bon, il ne sait pas où il est. Bon, vous savez, chaque personne, il sait où il est. Mais moi, je pense que ça, c'est une information, je dirais plutôt ironique. Ok, grand prince. La question que je vais poser maintenant, c'est de savoir. Qu'est-ce que le peuple camerounais peut concrètement faire selon vous?
pour que la population, pour que la situation change au pays? Bah, le problème est là. Le problème est là. Si le peuple camerounais ne revendique pas leur liberté, ils ne vont pas l'avoir. Il faut pas. That's the game. Quand on est une fidèle face aux riches. Tu ne peux pas te lever un matin et attendre qu'on vienne masser un truc. C'est vrai que moi, attends. Il attend que nous, les gens, la diaspora, qu'on les envoie là-dedans tout le jour. Et comme ça, ils sont tranquilles, pénales. Eh bien, ça veut dire qu'on est là, on travaille pour eux. On les envoie là, 5, 10, 20 milliards par an, tout le temps au Cameroun, ils dorment tranquillement. Maintenant, quand il faut revendiquer le droit ici au Cameroun, nous, on doit se faire encore. C'est comme on dit souvent chez nous, dans le pays, vraiment, on te donne la femme, on te donne encore le lit. Ben, c'est sérieux, il faut choisir. Ah non, mais c'est sérieux. Donc, ce que je peux te dire, c'est que la majorité des Camerounais, je ne dirais pas qu'ils sont des cons, mais il y a quand même des gens de bonne moralité. Et je peux vous dire que il y a même les boulous qui sont contre le régime. Et donc, ce n'est pas un problème Mais on ne les voit pas beaucoup sur le terrain, bizarrement. C'est ça, il n'y a pas beaucoup qui sont sur le terrain aujourd'hui. Non, beaucoup ne sont pas sur le terrain parce que, bah, je veux dire, parce que je parle avec beaucoup. Beaucoup ne sont pas sur le terrain parce qu'ils ont, soit ils ont peur, mais il y a quand même un étonne qui est un livre que je connais très bien, Patrick Noma, je le connais très bien. C'est un frère, mais il est contre le régime jusqu'à ce pas bon. Et avant lui, c'est le seul qui a commencé à dénoncer les choses. Mm-hmm. Bon, aujourd'hui, on lui fait des propositions, ministres et autres, machin, et tout là, tu lui as refusé. Donc voilà un patriote, c'est pourtant pas un gars de l'Ouest, c'est un gars boule. C'est un gars, je pense, il donne bien boule, ça. Donc il y a quand même des gens, mais ils ne sont pas. Ben, vous allez voir que ceux qui sont payés pour sortir et dire des insanités sur l'opposant Maurice Kamto, ce sont tous les boules. Bon, on a tendance à croire que tous les boules sont parés. Non, c'est pas vrai. Donc, j'avais dit que si demain, on annonce officiellement que Biya n'est plus. Mais je voulais venir à cette question même déjà parce que vous savez que vous avez eu à faire une sortie explicitement pour dire aux Camerounais, voilà, Biya est mort. Non. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que nous nous en tenons à cette thèse-là ou est-ce qu'on l'ouvre là? On ouvre, on dit, bon, voilà, on n'y a pas de confirmation qu'il soit mort et que les Camerounais. Est-ce que vous pouvez confirmer encore aujourd'hui clairement de ce que vous avez parlé avant? Moi je n'ai jamais dit que Paul Biya est mort. J'ai dit qu'il y a un papier qui n'est plus de ce monde. Bon, on savait quand je parle, ça fait trop de machines, tout le genre, fait de ton niveau. Et c'est même d'ailleurs pour ça que j'étais interpellé par ma propre famille. J'avais dit que c'était juste au moment où, quand on a, bon, tu te rappelles la mort de François Victor. Tout à fait. Donc j'avais parlé de ça comme ça, mais on a dit que j'avais dit que tout dans la zéro. Mais ceux qui ont dit que Biya est mort et prononcé le nom de Biya, ils sont en Europe là-bas. Ils sont avec vous là-bas à Paris. Mm-hmm. Donc je n'ai jamais dit que Biya était mort. Mais j'ai dit qu'il y a une vacance de pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai encore parlé l'autre jour, il y a pas une semaine ou deux, qu'il devait parler des Nations Unies. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'il est mort, Grand Prince? Parce que quand vous dites qu'il y a vacances du pouvoir, il ne sera pas aux Nations Unies. Mais maintenant, tant que ce n'est pas encore annoncé officiellement qu'il est mort, moi je continue à croire que soit il est vivant, soit il n'assume plus. Mais bon, puisqu'on voit les photos, la vidéo de temps en temps, voilà. on ne voit pas la personne. On peut dire que c'est un problème d'Internet. On suppose que la présidence du Cameroun est un problème d'Internet depuis. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu participer à la manifestation de l'ONU. On peut mettre ça sur le coup de l'Internet. Ben, je vais encore vous donner encore une information. L'ambassadeur des États-Unis qui est parti au Cameroun remplacer l'autre ambassadeur qui était là avant, Nagui. Eh ben, je peux vous dire qu'il n'a pas encore vu Paul Biya et il devait normalement le voir pour le présenter comme ça se fait partout, ça veut dire des clients et tout. Il n'a pas encore vu et il demande à le voir, mais bon, on ne sait pas quand il va le voir. Donc, ça, c'est le problème qu'on a en ce moment. On ne sait pas parce que déjà, les informations que j'y ai, on dit qu'il est gravement malade, il ne peut pas parler. Il est dans une situation où il ne se reconnaît même plus dans ce qu'il fait. Et bon, il y a beaucoup de raisons. Donc, il y a beaucoup de choses dans tous les sens. Alors, donc, tant que ce n'est pas encore annoncé officiellement par ceux qui nous gouvernent,
Bon, on peut spéculer, on peut dire des choses passées et tout, mais moi j'ai l'information. Mais si j'annonce l'information, là, tu vas voir le lendemain dans tous les médias. Mais il faut donner l'information. Je me suis dit que, bon, à chaque fois quand je parle, tout le monde. Moi, le problème, c'est quoi, c'est que Sam, c'est que quand je dis des choses, ma famille est enseignée par le gouvernement. Tu comprends? Et c'est vrai que moi, depuis, j'ai dit certaines choses, mais je refuse d'aller donner beaucoup plus de détails. Parce que à chaque fois que je parle, quand je donne une information, parce que quand mes amis m'envoient la vidéo que Bia a fait pour envoyer aux Nations Unies, et que mes amis m'envoient la vidéo, et que les Nations Unies a refusé, je n'étais pas avec eux. J'ai aussi la location. Et j'étais la seule personne qui était au courant de ça, qui était informée. Donc, c'est pour ça que j'ai annoncé que le problème de vacances de pouvoir refuse. Et c'est pour ça que je suis sorti. J'étais tellement énervé. Ça, je suis sorti pour dire que je mets le ministre des Affaires étrangères au défi. Je pouvais le contrer ou démentir ce que je dis. Il n'a pas démenti. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que bien avant, je n'ai jamais parlé aux Nations Unies. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas parlé. C'est plutôt le ministre des Affaires étrangères qui est venu faire un petit port. Bon, donc c'est un peu ça. Donc c'est ça. Bon, maintenant, maintenant, je peux vous donner une autre information très importante que j'ai reçue il y a 3 jours. Bon, ils ont pris la décision de garder Maurice Kamto chez lui jusqu'à après le 7 décembre. Ça veut dire juste après les élections, quoi. Après les élections. Et ils ont aussi pris la décision. Moi, je parle au Conseil. Vous voyez comme si je peux continuer. Mais ils ont pris la décision de garder Alain Fougueux et Bibou Nissa. Voilà. Mmh. Voilà. Ils ne vont pas aller en prison. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Ils ne vont pas en prison. Donc, ça, c'est une façon quand tu reçois, ça te fait tellement mal. Comment on peut aller assigner quelqu'un chez lui? Il ne peut pas sortir et faire n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que il y aura d'ici avant la fin de l'année, il y aura beaucoup de changements quand même. Ok. Maintenant, alors, je suis déjà. J'ai reçu cette information en début d'émission de vous. C'est une information assez intéressante. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le combat aujourd'hui, la lutte aujourd'hui pour les Camerounais, ce serait de démontrer en réalité qu'il y a vacance du pouvoir? Est-ce que ce n'est pas plus facile pour les Camerounais ou bien l'opposition de démontrer la vacance du pouvoir? Parce que je crois que si vous êtes au courant de ce genre de choses, des personnes peut-être comme Cabral Libi ou bien d'autres ministres sont au courant. Pourquoi est-ce que ces gens n'en parlent pas aussi? Est-ce que c'est une conspiration au Cameroun où les gens aujourd'hui qui y sont veulent cacher la mort de Paul Biya pour que le Cameroun dure longtemps sous leur botte? Bon, voilà, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un des autres dans le Cameroun. Et vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, ce qui s'est passé à l'ENAM, que le directeur l'ENAM avec le ministre de la fonction publique nomme carrément leurs frères, leurs sœurs et tout, comme si c'était les Camerounais les plus brillants, du Cameroun massé et tout. Enfin, bref, ça, c'est ce que nous vivons au quotidien. Parce que la personne qui est censée contrôler, c'est-à-dire qu'assumer le pouvoir, il ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce qu'on nous cache des choses, on ne peut pas nous dire. Mais je peux déjà vous dire que, je peux déjà te dire ici, aujourd'hui, il faut écrire. Bia ne va plus jamais sortir, l'information que moi j'ai, Bia ne va plus jamais sortir, parler à la télévision, ou bien dans les médias, ou marcher dans la rue, comme toi et moi. Ça, c'est une information très confidentielle. Et ça, je m'en tiens là-dessus. Je ne vais pas donner de détails. Je peux déjà te dire qu'il ne va plus jamais. Jusqu'à ce qu'on nous dise ça. Ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est très mort. Sauf magie noire, comme quelqu'un disait. De toute façon, on a gardé l'information. Merci encore pour l'information. Merci encore pour l'info. Alors, je vais parler de quelque chose de différent maintenant. On a parlé du professeur Maurice Kamto, on a parlé de vos rapports avec
l'espace de l'Ouest. Maintenant, quels sont vos rapports avec la diaspora? Est-ce que les Camerounais qui sont dans la diaspora ont de bons rapports avec vous? Bah, moi, les Camerounais, la diaspora, je ne mange pas trop avec. Bon, nous avons eu des problèmes. Sauf que vous avez des gens qui, n'est-ce pas, vous tassent d'un sardinat. Vu que les gens ont tendance à croire que, vu que mes parents ont soutient le régime en place, je suis un sardinat. Comment on dit en anglais, à Panahed. Donc, mais moi, je dis toujours ceci. Avec tout ce que j'ai fait, des questions que j'ai fait, prouver que je ne suis pas, je n'ai jamais soutenu le régime. Pourquoi? Parce que ce régime n'a jamais rien fait pour le peuple bamoun. J'ai toujours dit et déclaré que je défends le peuple bamoun parce que sans ce peuple, mon titre de prince partout, mon titre de prince que je porte en moi partout dans le monde, c'est celui que Dieu me voit. Donc c'est pour ça que j'avais décidé. Je vais te donner une information. Alors j'ai combattu ma propre famille et dénoncé certaines choses. C'est un comportement de ma propre famille à l'égard du régime en place. Et bien, je peux te dire qu'aujourd'hui, le FDP, c'est le peuple qui fait le meeting au palais royal de Fumbin. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent. Moi, je suis celui qui a demandé calmement à notre chef de famille, qui est notre père, de se retirer calmement de cette histoire. Parce que les gens vont mourir, mais le pays, ben, on va rester. La dynastie, on va rester. Donc, moi, mon combat, c'est pour le petit peuple. Ce n'est pas pour machin, pour les. Pour... Parce que moi, je n'ai rien dans tout ça. Mais je me bats pour que. Parce que quand j'arrive au Cameroun, je suis assailli chez moi. Tout le monde vit m'emmerder. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Tu as fait comment? Même si tu as $1,000, tu vas donner après. Ils vont tout le temps revenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si le gouvernement le fait bien pour ton peuple, moi j'ai demandé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, mais dit que oui, qu'est-ce que mon père, dont le sultan envoie des bamoun, a fait depuis qu'il est l'ami personnel de Paul Biya? Qu'est-ce qu'il gagne à être ami avec Paul Biya? Moi, c'est la question que moi je veux répondre, parce que c'est lui qui peut répondre à cette chose. Parce que moi-même, c'est la question que nous, on se pose la question tous les jours, mais les gens, on ne comprend pas ce qui se passe. Avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire qu'il a été tellement humilié par le peuple d'Amour, avec les élections que vous connaissez, tout. Le palais royal a été agressé par les frères et sœurs Bamoun, parce que pour le problème politique. Donc c'est pour ça que je dis que moi, je préfère pour le moment prendre mes distances, que si demain il y a changement, qu'on ne vient pas dire que le prince tient le régime en place. Et c'est pour ça que je demande à tous ceux qui ont encore, bon, c'est pas, je vais encore réfléchir, de faire la même chose. Sinon, le changement, c'est pour bientôt. Ça, je peux te confirmer ça. Donc, ça veut dire que nous pouvons compter sur le prince pour apporter le changement aussi au Cameroun. Est-ce que vous avez déjà pensé à rejoindre le parti MSC Grand Prince? Pas encore. Le parti, je vais te supporter, je vais te faire une confidence. Est-ce que tu sais que certains membres de ma famille ou bien certains membres du gouvernement qui sont mes amis m'envoient des messages tous les jours pour me demander de ne pas adhérer au parti de... Mais je crois que si vous adhérez au parti, non, ça va renforcer le parti. Hein? Si vous adhérez au parti, hein? Ça va renforcer le parti. Peut-être ça peut aider le parti à avoir plus d'adhérents, plus d'adhésion. Oui, mais tu sais, moi, je peux, pour ton information, avec ce que j'ai fait dans le Noun, aujourd'hui, nous sommes déjà avec, bien que ce que j'ai fait, même en privé, je n'ai pas besoin de dire ça sur la toile, les Bamoun s'inscrivent massivement. Je fais les choses, je n'ai pas besoin de venir sur la toile pour dire ce que je fais pour le parti en privé. Mais je crois que, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de partis politiques que nous avons au Cameroun, c'est des gens qui, n'est-ce pas, ont créé des partis pour pouvoir survivre. Parce que dans la vie active, ils ont raté leur vie et ils ont créé des partis pour pouvoir survivre. Et c'est pour ça. Et vous voyez que
Très souvent, ces personnes, mais quand ils perdent les élections, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de quoi vivre. J'espère donc, que vous ne parlez pas de ce destin jamais. Et la majorité des jeunes, j'ai fait adhérer les Bamoun dans différents villages, Fumben, Fumboud, Malantoun, Koptam, Bangourin. Je travaille, j'ai les équipes, mais je ne peux pas. Je ne voudrais pas me voir aller sur la toile et dire ce que je fais en privé. Tu comprends? Bon, tout ça là, ça demande les moyens. Et les moyens, c'est quoi? C'est que je fais, je n'ai pas besoin de dire ce que je fais en privé. Mais je dis que peut-être, parce que j'ai au moins la garantie que s'il y a un changement demain, on ne va pas attaquer ma famille. Donc là, faut pas que. Donc c'est un peu ça. Donc, il faut quand même soutenir le parti qui est aujourd'hui, à mes yeux, crédible par rapport aux autres partis qui a été créé pour ne pas abuser la Gagne. Comme par exemple le cas de Kaba Libi et bien d'autres partis. Moi, quand je vois 300 partis au Cameroun, j'ai du mal à comprendre comment. 300 partis, c'est quoi? Pour juste pour combien de députés? 180 députés? Et aujourd'hui, il y a combien de députés à l'Assemblée? Et depuis qu'ils sont là, depuis le multipartisme au Cameroun, est-ce qu'ils ont déjà gagné? Est-ce que bon, c'est vrai qu'avec le code actuel, ça ne fait pas toujours plaisir à tous ceux qui veulent s'adhérer, comme par exemple, j'ai suivi il y a je crois, 3 jours, Sambaka par exemple, qui a démissionné il n'y a pas très longtemps, de l'UDC, qui aujourd'hui veut aller dans un parti qui n'existe même pas. Qui n'a même pas la chaîne. Voilà les deux autres qui sont au Cameroun. Et ça m'intéresse. C'est pour ça que j'avais dit que je ne m'intéressais pas à la politique camerounaise parce qu'il n'y a pas encore de démocratie au Cameroun. Et quand tu es venu me donner une envie de m'intéresser à la politique camerounaise. Et c'est pour ça que je suis obligé de temps en temps, quand j'ai une information importante qui concerne le pays, qui peut aider l'opposition à aller en avant, je le fais. Intéressant. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition. Est-ce qu'il y a un opposant, à part le professeur Moïse Kamto, que vous trouvez être un peu sérieux? Vous avez, par exemple, Célestin Djamène, qui aujourd'hui a une démarche assez particulière. Si vous pouvez dire quelque chose à l'opposition aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz à l'opposition camerounaise? Je parle ici avec des têtes. Vous parlez de Célestin Djamène. Célestin Djamène, ce n'est pas un opposant, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, moi, je n'ai jamais eu le souci de rencontrer ces messieurs, mais bon, les amis en France vont envoyer des messages sur lui quand il était en France. Bon, voilà. Bon, ça, ce sont des. Je suis très content qu'il ne passe même plus à l'étudiant, parce que c'est ma chaîne préférée. Et justement, de faire la publicité de ces chaînes. Ça, c'est ma chaîne préférée. Je suis content qu'il ne passe plus à ces chaînes de télévision parce que vraiment, il raconte n'importe quoi. J'ai même l'impression que. Et c'est pour ça que je dis qu'au Cameroun, tu ne peux pas faire la politique quand tu n'as pas l'argent. C'est le cas. Je dis, je préfère cibler plutôt ce monsieur qu'on appelle Kaba Libi, qui tout le monde connaît, qui travaillait, il était quoi, journaliste, je ne sais pas quoi. Il gagnait dans les 180 000 francs habités dans les conditions que tout le monde connaît. Et qu'aujourd'hui, il se retrouve avec deux immeubles en construction, avec tout ce que ça comporte, et tout machin, tout ça. Il y a eu cet argent. Tu as même dit que ce n'est pas les 2 millions de francs qu'on donne là, à l'Assemblée, là, qui va lui faire, et qui le soit tout le mois. Ah bon, c'est vrai qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas envie de dire. Mais je retiens. C'est que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Le parti de ce monsieur a été créé par Jacques Famondongo. Vous avez dit créé par Jacques Famondongo. Voilà. Donc, j'avais dit ça. Donc ce n'est pas, c'est pas un opposant. Je ne considère pas comme un opposant parce qu'il a trahi l'opposition. Aux élections présidentielles, il devait se rallier avec Kamto et Akeremona. Et il a disparu quand il fallait maintenant faire une conférence de presse et puis donner, dire au peuple camerounais. La personne qu'on avait choisie pour aller contre Paul Biya. Donc, on a appelé, on lui a donné l'argent, il a pris. Et c'est pour ça qu'il dit que tant que vous allez voir les gens comme Kamto, parce que Kamto, il a dit, il a la vie de l'élection, il n'a pas besoin de votre argent pour vivre. Il est un avocat très connu. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si demain,
qui n'est pas président ou bien machin, tout, s'il meurt demain là, vous allez regretter. Parce que voir quelqu'un qui ne peut pas, qu'on vient de proposer l'argent, parce que je sais combien de tentatives qu'on a fait. On a même envoyé les Français essayer de lui faire des propositions. Il a refusé. Donc, c'est pour ça que ça qui a un peu. Ça qui m'a motivé davantage pour que je m'adhère à son programme politique. Parce que ce n'est pas un corrompu, ce n'est pas un affamé, donc c'est quelqu'un qui n'attend pas du gouvernement pour pouvoir suivre. Et c'est pour ça que le gouvernement camerounais a peur de lui. J'imagine qu'à chaque fois qu'il parle, tout le monde tremble. J'aurais dit qu'il est sérieux. Et je voulais aussi te dire pourquoi ils ont mis Mamadou Mouta en prison. Ils ont mis Mamadou Mouta en prison parce que c'est un frère qui montait et qui, n'est-ce pas, pouvait faire quelque chose. Et là, on l'a mis en prison parce qu'ils ont peur que si jamais il y a un problème, mais il peut peut-être prendre la place et tirer le grand nord. C'est un peu ça. Et c'est ça qui me dérange. Et j'ai dit que, je dis à tous ceux qui me suivent que il faut faire un choix dans la vie. Si vous voulez rester dans vos conditions, enfin, j'avais dit il n'y a pas trop longtemps que la majorité des Camerounais sont atteints d'un syndrome de Stockholm. Pourquoi? Parce qu'ils refusent carrément de dire qu'ils ont des problèmes. Déjà, quand tu les vois, déjà quand ils sont dans les conditions, tu comprends? Un gars qui a le bac plus 3, plus 4, qui conduit le taxi à Douala, ou bien il fait n'importe quoi, mais il avait été parlé de l'EDP, c'est pour te dire que. Il soutient le RDPC. Mais et dans sa propre vie, il vit mal. Et tu demandes, tu lui poses la question, ça va, pourquoi je prends le RDPC, il a parfois des réponses pernicieuses. C'est ça qui est dommage. Et je te dis que les Camerounais ont un comportement sujet à caution. Ok, merci. Prince, vous avez entendu il y a quelques semaines l'arrestation d'un Camerounais qui vit à Paris, qui a utilisé une arme devant l'écran pour menacer des jeunes, des personnes comme nous qui nous battions pour qu'il y ait une certaine liberté au Cameroun. Cette personne a été arrêtée. Et vous savez que c'est à cause de la poussée du tribalisme au Cameroun. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez la montée du tribalisme au Cameroun. Est-ce que vous avez un regard particulier là-dessus? Oui, je crois qu'on a eu, on a déjà un peu essayé de bosser ça avec les boulots et autres. Mais le problème du tribalisme au Cameroun, c'est le président Biya qui a amené ça au Cameroun. Moi, je n'ai pas connu ça quand je suis parti du Cameroun. Bien qu'il était déjà au pouvoir, mais je n'ai pas connu le tribalisme au Cameroun. Je ne voyais pas dire quand tu arrives quelque part et que tu es Camerounais, tout le monde vient de ça avec toi parce qu'on veut toi. On ne sait pas savoir si tu es Bamoun, tu es Douala, tu es Bassa, tu es Bafia ou Douala, machin. Non, tu es Camerounais. Excuse-moi, je suis allé au Canada. Et à Paris, je crois il y a 2 ans, j'arrive au Canada. Non, il y a plus de 5 ans, j'arrive au Canada. On ne sait pas savoir si c'était Bamoun, machin, tout. Les Camerounais m'ont tellement bien reçu. J'étais tellement bien reçu au Canada que moi, je n'ai plus la différence entre un Douala, un Bassa et machin, tout. Donc, moi, je condamne le tribalisme parce que chez nous, dans ma propre famille, je te dis, mon grand-père avait 300 femmes. Laurent Jean avait 300 femmes, et donc tu comprends que je ne peux pas être. Avec l'aide que les boules ont apporté à mon grand-père quand les Allemands ont déporté à Yaoundé. Donc imaginez un peu, donc, c'est ça que je dis que dans ma propre famille, j'ai les boules et les Yaoundé, ils étonnent, et bien d'autres. C'est pour ça que ce monsieur, j'ai suivi ça comme monsieur pour le monde. J'ai plutôt l'impression que les Français sont tolérants. Apparemment, on l'a arrêté, on l'a laissé. Je ne connais pas ces messieurs. Je trouve que ce que j'ai toujours condamné, eh bien, si le Cameroun était bien, cette personne, pourquoi ils sont partis du Cameroun? Si le Cameroun était bien, ben, parce que j'ai dit qu'on le paye, voilà, c'est la question, pour menacer les Camerounais. Mais est-ce que c'est confirmé qu'il y a un budget pour ça, qu'on le donne pour menacer les Camerounais. Donc, et c'est pour ça qui est désolant. Donc, ils reçoivent l'argent du gouvernement camerounais
pour faire le oui, travail. Oui, dans les blocs camerounais. Voilà, voilà. Et tu vas voir que la plupart de ceux qui le font, c'est les Atangana, c'est les Wana, tout le nom des Pierre-Goulou. C'est pas, tu verras pas. Bon, il y a quelques massas, parce que bon, ils ont l'argent, quand ils veulent pas l'argent, massas ou voilà, ou c'est pas moi, de l'Ouest. Et quand ils reçoivent l'argent, vous savez, la visée fait que bon, tu es obligé de te projeter pour des points. Tu comprends? Donc, ça qui est dommage. Et je voulais aussi profiter pour dire que j'ai trop mal pour nos frères et sœurs qui se battent au quotidien pour que les choses changent au Cameroun. On en voit ce qui se passe en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en France et bien d'autres. Et j'ai suivi la toile il y a quelques jours où certains Camerounais sont partis à l'ambassade du Cameroun pour des particules et qui partent protéger l'ambassade du Cameroun. Moi, ça a été rire. Et bien, je me suis dit que, mais ils ne sont pas protégés à l'ambassade du Cameroun en Espagne. Ça veut dire qu'ils sont partis du Cameroun pour venir. Bon, ça, c'est pour le détail que parfois, quand je pense à ça, ça me revolte un peu que pas. Ok. Donc, Grand Prince, voilà, c'est avec plaisir, hein, c'est avec plaisir que nous t'avons ici. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose que tu veux dire au peuple de Fumbani? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, voilà, à ceux-là qui sont connectés, qui te suivent en tant que Prince Bamoun? Moi, c'est ce que je peux dire à vous, mes frères et sœurs, la diaspora, et même ceux qui sont comme moi, qui me suivent en direct là maintenant. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on soit soudé, qu'on se batte, qu'un changement s'équitable. J'ai dit que ceux qui refusent, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le gouvernement se bat pour diviser le MSC. Mais je suis plutôt content que ce parti, jusqu'à présent, n'est pas encore divisé. Et ça me pousse encore à militer davantage au programme de ce parti. Et je t'appelle ici tous les Camerounais et toi d'être Camerounais de continuer le combat. Mais ce que j'ai toujours dit, je prends la paix et je ne veux pas la guerre au Cameroun. Et contrairement à ce que ce journaliste français a dit, et que la mairie passe un peu, ça c'est faux et archive faux. Il n'y aura pas la guerre au Cameroun. Mais j'ai dit que l'information que j'ai du gouvernement camerounais français, je l'ai dit, est plutôt bien. C'est-à-dire que le gouvernement français dit qu'ils n'ont pas le choix, ils attendent que les Camerounais se comportent comme ils se doivent. J'ai aussi suivi un frère là-bas, je crois en France, il s'appelle J.P.R. Nungono, qui a dit qu'il faisait sa valise. J'étais tellement, ça m'a fait tellement rire que ça m'a fait rire, juste le faire son direct. Toujours, ça m'a fait trop rire. Pourquoi ça vous a fait rire? Pourquoi ça vous a fait rire? Je crois qu'il a dit qu'il était appelé à quitter le territoire français et qu'il va rentrer au Cameroun. Ouais, donc, c'est pour rigoler, mais bon, ça c'est des choses. Donc, vous savez, les gens. Moi, j'ai mal pourquoi pour ce monsieur, ce journaliste. Brillant journaliste que je suis à tout moment quotidien, tout comme les autres aussi, le Niamsi, là-bas en France, et puis je te suis aussi de temps en temps, et les autres qui se battent pour le changement au Cameroun. Mais j'espère que dans bientôt, tu as remarqué que. À Tangan, je ne parle plus trop. Oui, il ne parle plus trop. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi pour ça? Parce qu'il ne parle plus trop. Pourquoi? Parce que il est au courant de ce qui se prépare. Donc, quand j'aurai l'information plus crédible, je vais faire un direct là-dessus et ça ne va pas tarder. Je crois qu'avant la fin de ce mois, il y aura un changement. Il y aura beaucoup de choses pour changer. Ok. Merci encore pour le temps accordé. Alors,
Donc, le prince du sultanat, hein, du sultanat Bamoun, c'est avec un grand plaisir que nous avons pu vous recevoir sur ce plateau. Hein. Et il y a la plupart des questions que j'ai posées, c'est inspiré des réactions de ceux-là qui nous suivent sur Facebook. Donc, je vais revenir sur un petit résumé de sorte que ceux qui viennent d'arriver puissent savoir de quoi nous avons parlé. Donc, avec le prince, aujourd'hui, nous sommes venus sur les problèmes politiques du Cameroun, la situation politique du Cameroun. On a parlé du procès Maurice Kamto, du MRC, des rapports avec le Cameroun et l'international. On a parlé des rapports avec les États-Unis, les rapports avec la France. On a parlé des rapports entre le prince et le sultan Bamoun et la communauté de Fumban. On a parlé de ses rapports avec la diaspora camerounaise. On est sorti avec une petite appréhension qu'il a, son point de vue par rapport à la politique camerounaise, des opposants en particulier. On est venu sur quelques opposants en particulier. On peut retenir qu'il y en a qui ne sont pas des opposants, comme il a dit. Alors, je vais finir encore en revenant sur la question que j'ai posée dès le départ. Est-ce qu'on peut compter sur le prince pour soutenir demain le mouvement du MRC ou bien soutenir le changement au Cameroun tout court? Voilà. Je n'ai pas compris. Tu dis que le mouvement a fait quoi? Je dis ceci. Nous avons pour le moment, nous avons eu plusieurs phases. Il y a eu des jeunes Camerounais de la diaspora qui ont engagé les marches, les boycotts et tout, France, Allemagne. Est-ce que maintenant, si nous pouvons avoir des personnes qui ont des plus grands calendriers, des calepins, des répertoires plus grands, comme vous par exemple, qui vont aujourd'hui dire clairement de ce qui se passe au Cameroun, donc soutenir en quelque sorte le procès Maurice Kamto et amener d'autres personnes qui sont dans le gouvernement peut-être, qui soutiennent le procès, à aussi s'exprimer là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on peut compter par exemple... Je sais que c'est ce que vous faites pratiquement, hein, mais il faut. Est-ce qu'on peut compter maintenant sur vous pour amener aussi des investisseurs camerounais, des hommes de votre de vos répertoires, de s'engager aussi dans notre mouvement, de sorte que le changement soit effectif au Cameroun? Voilà. Oui, ouais, mais on va, comme j'ai dit, on va continuer à se battre pour que les choses changent au Cameroun. Mais ce qui me fait mal, c'est que les Camerounais ne bougent pas, évidemment, ils ne font pas trop d'efforts. Et ça qui est désolant. Et ça me fait vraiment de la peine. Mais je vais continuer à dénoncer des choses. Bon, il est vrai que on n'a pas beaucoup de pouvoir pour faire certaines choses, pour faire bouger les choses. Si les Camerounais ne font pas grand-chose pour eux-mêmes, on ne peut pas faire. Et je voulais en même temps profiter pour dire. Avant qu'on finisse, je voulais en même temps profiter pour dire que il faut que tu sois dans 2 semaines quand tu m'appelles. Comme ça, on peut encore faire notre programme. Et puis là, je peux parler avec les Camerounais même. C'est-à-dire que les Camerounais peuvent appeler et puis je peux intervenir. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient intervenir même dans cet entretien, mais comme c'est un entretien fermé déjà, c'est un premier jet. Oui, donc, non, on n'a pas programmé. La semaine prochaine, on peut le programmer. Et puis là, maintenant, ça serait juste pour ceux qui veulent poser des questions et tout. Voilà, il faut le répondre. Mais je crois que je vais faire un direct, je crois la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais j'attends la confirmation d'une information très importante que je vais partager avec la diaspora. Ok, super. Super. Ça fait plaisir d'avoir eu le temps de discuter avec vous. C'est vraiment un plaisir. Hein. C'est vraiment un plaisir. Donc, on peut retenir que vous ne direz pas la source de. Le plaisir partagé, mon frère Sam. Donc, vous ne direz pas la source de courage. Vos informations. On sait seulement que vous avez un bon calendrier du côté du Cameroun qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, pour tous ceux qui sont connectés, qui doutaient encore, le prince a confirmé son attachement à la ligne politique du professeur Maurice Kamto, mais beaucoup plus au travail politique que le professeur Maurice Kamto a mis dans ses chantiers. Et voilà, donc il a dit qu'il a un calendrier qui est assez fourni, qui lui permet un calepin, hein, qui lui permet d'avoir suffisamment d'informations. Et les informations, les partage au Cameroun, sa façon à lui de soutenir le combat que nous menons, sa façon à lui d'amener les choses à changer. Donc voilà ce que nous pouvons retenir dans ce soir avec notre premier entretien avec le prince. Ça fait vraiment plaisir d'avoir eu cela. Je pense que on aura le temps de se voir dans les jours à venir. Donc, merci d'être venu ici. Okay. Pour la prochaine fois. Ok, Sam, bon, vraiment, je suis très, très content de partager ce moment avec toi et je crois que
On va renouveler encore l'expérience bientôt. Donc, je te laisse pour aujourd'hui. Quand on se revoit, tu as mon numéro, tu sais qu'on est loin, il n'y a pas de souci. Quand tu as besoin de moi pour te venir, il n'y a pas de souci. Super, okay. Bonne soirée encore. Bonne soirée encore. Ok, merci. Donc, chers amis, c'est ici que s'achève notre entretien avec le prince Bamoun, représentant de la partie de la communauté Bamoun. C'était un plaisir vraiment particulier que de discuter avec lui parce qu'il y a beaucoup d'informations que nous avons parfois de lui qui sont des informations assez concrètes, assez fiables. Donc, j'ai décidé avec la rédaction de partir vers lui pour savoir plus. Comment est-ce qu'il a ces informations, de qui il les obtient. Voilà, un bon informateur, il a dit qu'il ne peut pas trahir ses sources, ce qui est tout à fait normal. Je donne donc ici mes sincères salutations à tous ceux et celles d'entre vous qui ont pris le temps de se connecter à cet entretien. Vous comprenez qu'il était question de parler ici de questions politiques. Et quand on dit questions politiques, ce ne sont pas des questions scientifiquement démontrables. Donc, ce sont des points qui sont basés sur la vie personnelle, les visions, les aspirations, les ressentis. Et ici, le prince a donné son ressenti, donc on ne peut donc pas personnellement dire que voilà, c'est faux, c'est vrai, mais le plus important, c'est de savoir la tangente politique que nous prenons aujourd'hui en tant que Camerounais, dans quel contexte on se situe, dans quel espace on se situe. Donc, c'était important pour moi de savoir si est-ce que le prince aujourd'hui est pour la dynamique du changement ou s'il est quelqu'un qui ne se positionne pas. Donc, dans cette entretien, vous avez le temps de voir clairement qu'il s'est positionné d'un côté et le côté du changement au Cameroun. Je profite ici pour dire que j'ai engagé des démarches du côté du Cameroun pour avoir un entretien avec la députée Nouran Foster qui n'a pas encore daigné répondre jusqu'à aujourd'hui. J'ai engagé le même processus du côté de la ministre Kétia Koutès qui n'a pas encore daigné confirmer la date. Donc s'il y a une date qui est calée, vous serez les premiers informés. Vous pourrez donc intervenir pour peut-être poser des questions, apporter vos contributions, donner peut-être vos points de vue, votre opinion par rapport à ce qui s'est fait au Cameroun. La semaine prochaine, nous allons engager un autre entretien de ce genre, mais avec plusieurs personnes. Nous parlerons toujours de la politique camerounaise, mais sur d'autres auspices. Donc, je vous demanderai de rester connectés à nos antennes. Et pour ceux qui sont connectés, qui ont du mal, qui vont suivre cette émission après, nous ne saurons comment vous expliquer parce qu'il se passe que sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook aujourd'hui, notre chaîne n'a plus la possibilité de partager. Donc, n'ayant plus cette possibilité de partager, c'est une démarche aujourd'hui qui est assez connue. Ceux qui sont automatiquement notifiés quand vous êtes en direct ne le sont plus. Donc, il y a beaucoup de directs que vous suiviez avant, beaucoup de personnes que vous suiviez, qui lorsqu'ils sont en direct, vous ne savez plus que ces personnes sont en direct. Donc, il n'y a plus de notification des directs. C'est pour ça que je crois que nous n'avons pas eu suffisamment de personnes comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Vous savez que le plus important, c'est le message. Et puisque nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulier, le réseau social, c'est une mémoire énorme. C'est une mémoire qui permet de garder les informations, même après des centaines d'années, si possible, avec l'évolution de la technologie que nous aurons. Donc, ceux qui n'ont pas pu le suivre, cet entretien, pourront le suivre demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Donc, n'hésitez surtout pas de partager au maximum. N'hésitez surtout pas d'en parler autour de vous parce que c'est ça qui fait vivre, vivre notre média, c'est ça qui fait vivre aussi la communauté camerounaise. C'est important. Donc, comme d'habitude, je vais me livrer à la science traditionnelle de l'étude de quelques messages pour voir si je peux répondre d'une part et d'autre part, voir si j'ai une opinion, voilà, quelque chose à dire par rapport à ça. Je vais donc remonter un peu dans la file des messages et commencer à lire. Donc, le dernier message, justement, pourquoi c'est comme ça, Stevie? Oui, la réponse est simple, c'est que c'est avant, on nous interdisait de faire les directs au coup parce qu'il y a des pages qui sont censurées, des pages qui sont sanctionnées. Et Facebook, pour empêcher que les activistes aujourd'hui commencent à se manifester comme on se manifestait, enlève des fonctionnalités à Facebook. Vous avez vu, après, c'était le bouton caméra qu'on avait enlevé qui empêchait que vous ayez d'autres personnes dans vos directs. Après, il y a eu les restrictions de publication. On a restreint votre publication, vous ne pouvez plus partager, distribuer des messages, des photos. Maintenant, c'est le bouton de notification qui fait chuter le nombre de vues que vous avez. J'ai constaté ça moi-même déjà sur la plateforme d'un activiste en France que je connais, il s'appelle Bertil Lecamit. Bertil Lecamit, quand il faisait ses directs, il avait un certain nombre de personnes qui étaient déjà d'office connectées.
Et ces temps-ci, il a eu du mal à monter à 120, 100 parfois. C'était donc c'est manifeste, c'est assez visible, donc ça se voit, ça se répercute. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Le peuple va bien, confirmé. Le peuple va bien, confirmé. Blabla, souffrance, Eloata, Eloa. L'injustice vont finir. Non, je ne peux pas lire ce genre de message. Écrivez un peu normalement, pardon. Bravo Stevie, mais ne propage plus les fausses informations. Je ne sais pas de quelle information tu parles, toi. Tout Camerounais avec une analyse sans passion et une connaissance de l'histoire, ce pays doit tourner le dos à ce gouvernement avec ou sans Kamto. C'est juste évidence. Oui, c'est vrai que le pays doit tourner le dos. Attends que je mette ton commentaire pour qu'il soit lisible par tout le monde. Le Cameroun, au Cameroun, on doit littéralement tourner le dos au gouvernement actuel. C'est une réalité. C'est une réalité vraie. Mais avec ou sans Kamto, c'est une possibilité. Mais pourquoi manger du pain quand on peut avoir un pain chargé? Pourquoi manger du pain quand on peut avoir mieux? Alors, si le professeur Kamto aujourd'hui représente un certain changement avec des acquis. Des acquis, c'est quoi? C'est déjà la disposition à être, avoir un système juridique plus fort. L'acquis, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir un gouvernement avec des personnes qui donnent la force aux faibles. Et je vous expliquais dans plusieurs de mes directs que la justice est l'arme des faibles. Puisque lui, il est juriste, il est avocat, il soutient les faibles. Et dans son directoire, il y en a plein qui sont comme lui. Vous voyez que les pauvres auront donc matière à être défendus et ne seront plus donc traités dans la boue, ou bien traînés dans la boue, comme on le voit au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc pour moi, je crois que c'est une aubaine aujourd'hui de pouvoir utiliser les acquis que le professeur Maurice Kamto a avec le MRC pour permettre au Cameroun d'avancer. Mais je ne reste pas aussi comme un. Je ne suis pas forcené là-dessus. Je sais que c'est une possibilité, c'est une idéologie politique parce que l'homme propose parfois, Dieu dispose. Donc il peut avoir des conditions indépendantes de notre volonté qui amènent à ce que nous fassions sans lui. Ça peut arriver parce que. Nous voulons, mais ce n'est pas toujours ce que nous voulons qui se réalise. Donc, dans ce cas-là, le fondamental, c'est quoi? C'est d'abord d'éveiller la conscience citoyenne des Camerounais, de sorte que ceux-ci apprennent déjà ce que c'est que le code électoral et qu'ils sachent exactement pourquoi on demande de changer ce code électoral. Qu'ils comprennent pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto revendique une victoire. Qu'ils comprennent pourquoi est-ce que la plupart des jeunes Camerounais de la diaspora aujourd'hui sont obligés de choisir entre Sardina et Tontina. Autant de choses. Donc, c'est à cet éveil-là que nous voulons éveiller les Camerounais. Alors, interpeller les Camerounais. Donc, tout Cameroun, j'ai déjà lu ta question. On fraude pourquoi si on a gagné? Je ne sais pas à quoi tu te réfères dans ta question. Prends un appel, Stevie. Maintenant, tu peux appeler. Hein, maintenant, c'est ouvert. Tu peux appeler. Le numéro de téléphone est en bas. Vive le prince, vive la résistance, bien à Moscou. OK. Le prince Bangoulap, OK. Pour conseil constitutionnel, même les procès ont démontré les fraudes. N'a pas démontré la victoire de l'opposition. La suite est la séquestration. Bonsoir Stevie. Je mets le commentaire pour que vous lisiez aussi. Les interdirects sont toujours intéressants, mais volume toujours bas. Ah, je sais pas, mon frère, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que je m'entraîne à crier. Hein. Il faut que je m'entraîne à crier. Voilà. J'ai lu suffisamment de messages, suffisamment de questions déjà, suffisamment de commentaires. Des enfants ont été obligés et vaccinés aujourd'hui à Douala. Ça, c'est une question, je ne sais pas. Je n'ai pas encore l'information confirmée. Kamto a trop donné pour le peuple camerounais francophone. Non, Mathieu, les Blancs veulent que nous sortons, que nous sortions et ils vont seulement accepter. Je ne crois pas que ça dépend de. Je ne crois pas que ça dépend de ça. Je crois que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Je crois qu'il y a des fondamentaux qu'on doit avoir au Cameroun. La lutte qui a été engagée par les Camerounais aujourd'hui a atteint une nouvelle phase. Et il faut savoir reconnaître sa position, comment dire, l'avancée même d'un combat qu'on mène. On a engagé un combat. Quelles sont les étapes qu'on a suivies? Nous sommes à une étape aujourd'hui qui est fondamentale. C'est une étape qui est cruciale. Donc, le peuple camerounais aujourd'hui a réussi à imposer sa volonté déjà au gouvernement. Parce que le gouvernement, même s'il est violent, agressif, il sait que le peuple camerounais n'est pas d'accord avec lui. C'est pour ça qu'il ne parle qu'avec des armes, avec les militaires, avec l'oppression, la violence à outrance. Donc, le peuple camerounais aujourd'hui doit comprendre clairement que s'ils agissent avec autant de violence,
c'est qu'ils n'ont plus de garde-fous, ils n'ont plus de rempart, ils n'ont plus quelque chose sur quoi quelque chose sur quoi se poser, se recroqueviller en cas de danger. Parce que leur biya, leur gourou, comme on dit, n'est plus. Et c'est seulement ça qui peut justifier les actions que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Le simple fait qu'il ne soit ni apparu au conseil qu'il devait avoir à l'Union africaine en visioconférence, ni à l'Organisation des Nations Unies pour la 75e édition de la fête dont vous connaissez totalement la teneur, démontre clairement que ce n'est pas Biya qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Donc, le peuple camerounais, les opposants camerounais devraient prendre cette aubaine-là pour dire, marteler partout, qu'il y a clairement vacance du pouvoir au Cameroun. Les personnes comme Brice Ninthieu, que je vois, excusez-moi l'expression, que je vois gesticuler sur le plan politique, parce qu'ils ont vu une possibilité de se faire voir, de sortir à la lumière, moi, sont des personnes qui me frustrent beaucoup parce que ce sont eux les pires ennemis du Cameroun en réalité. Ce sont eux les pires ennemis du Cameroun parce que ces gens ne sont pas avec les riches, ils ne sont pas avec les pauvres. Ils sont là pour eux, pour manger eux seuls. Donc ils profitent du pauvre et de l'oppresseur. Et c'est ça qui est vraiment grave dans cette situation-là parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas l'intérêt pour quelqu'un, par exemple, du SDF, de ne pas soutenir le MRC. Je ne vois pas l'importance pour quelqu'un d'un parti d'opposition sérieux de ne pas soutenir le MRC parce que déjà, s'ils disent qu'ils se battent pour l'opposition, s'ils disent qu'ils se battent pour le peuple camerounais, il faut déjà qu'ils libèrent le seul Camerounais, le Camerounais qui est emprisonné chez lui juste parce qu'il voulait manifester et faire valoir ses libertés fondamentales qui sont de marcher. Marcher, mettre un pied après l'autre. Donc je crois que s'ils ne sont pas capables de défendre un Camerounais, aucun d'eux n'a la possibilité de défendre les autres Camerounais. Donc, partant de là, c'est un débat caduque. Partant de là, c'est un débat mort, biaisé de la base. Donc, il n'y a pas d'opposition au Cameroun, sinon celle du professeur Maurice Kamto. Donc, pour ça, il n'y a plus de débat dans télévisé qui devait vous intéresser. Pourquoi? Parce que là-bas, personne ne dit rien. Tous sont là pour agiter la place publique. Tous sont là pour raconter des histoires qui n'ont des histoires dormies debout, juste pour vous détourner du chemin réel qui est celui de la prise de conscience citoyenne et de l'interrogation même de ce qui se passe dans votre pays. Donc, un Camerounais sérieux devrait se demander, est-ce qu'il y a encore un président dans mon pays? Est-ce qu'il y a encore un président du Sénat dans mon pays? Est-ce qu'il y a encore un président du Parlement dans mon pays? Est-ce qu'il y a un président du Conseil constitutionnel dans mon pays? Voilà les questions qui devraient vous préoccuper en tant que Camerounais. Donc, je comprends totalement l'amertume du prince Bamoun de dire les Camerounais ont un problème parce que ils sont plus intéressés par les problèmes de l'étranger que les problèmes qui concernent leur propre nombril. Et je crois que c'est parce que le Camerounais peut faire plus bavarder, plus parler, et pourtant des actions concrètes sont là. Le schéma est connu. Et on a longtemps dit on voulait un leader charismatique pour faire partie Biya. On a eu le leader charismatique et il est séquestré chez lui dans l'indifférence totale de certains Camerounais, ce qui est inadmissible. Donc, vous croyez que le Camerounais aujourd'hui, l'opposant camerounais, l'activiste camerounais, le membre de la société civile camerounaise, devrait aujourd'hui lui-même relever, retrousser un peu ses manches et se poser les vraies questions déjà. Laisser le gain, laisser. N'entrez pas, pour beaucoup, sont dans le MRC parce qu'ils veulent se cacher et protéger leurs acquis au Cameroun pour que leur famille après soit bien. C'est leur problème. Pour ceux qui sont entrés dans le RDP, c'est parce qu'ils veulent manger le temps que Paul Biya, sur le plan virtuel, existe encore avec la photo, qu'ils puissent profiter. C'est bien pour eux, mais je vous dis toujours, la justice va être rétroactive, elle aura le temps d'agir et agir bien là où elle doit agir. Voilà. Chers amis, c'est avec une joie vraiment formidable que c'est avec une joie particulière que je suis connecté. Je suis un peu souffrant, c'est pour ça que vous avez remarqué que mon humeur est un peu basse aujourd'hui. Mais comme c'était un rendez-vous déjà calé, je me dois d'honorer ponctuellement à ce rendez-vous. Donc vraiment, c'est avec vraiment beaucoup d'intérêt que j'étais là avec vous. Et j'ai quand même la satisfaction du devoir accompli parce qu'il fallait que vous entendiez et que vous sachiez la position du prince, le prince Bamoun. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai rendu ça possible. Et aussi, je dis encore merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Notre cagnotte est encore montée pour ce mois de 63 euros. Merci encore pour ceux qui soutiennent nos actions. Je vais mettre ici le lien pour ceux qui voudraient bien voilà, soutenir dans ce sens-là. Je le dis toujours, je ne me lasserai jamais de le dire. Hein. Je me lasserai jamais de le dire. Ce lien, c'est un lien qui permet de soutenir nos personnes du côté du Cameroun. Donc, pour des informations. Donc, ce n'est pas pour acheter des armes, ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit, c'est pour avoir des informations vérifiées. Donc, j'ai épinglé le lien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple. Donc,
Le lien est assez simple. Vous cliquez sur le lien, il y a un bouton rouge type. Vous appuyez sur le bouton type, vous choisissez de donner 1 euro, 2 euros, comme vous voulez. Ça permet de soutenir nos équipes au Cameroun, ceux qui ont besoin de motos, de téléphones, de crédits, d'unités, de méga. Ça permet de rester en contact avec eux et de donner les informations que nous vous donnons. Bonsoir, merci de m'avoir suivi ce soir. Rendez-vous une autre fois pour parler des choses africaines pour l'Afrique, des choses du Cameroun avec les Camerounais et surtout, restez Camerounais. N'oubliez jamais que, en dépit de tout ce que nous vivons, c'est le Cameroun qui gagne et c'est ça qui doit rester dans nos têtes. Passez une bonne soirée et bon début de week-end. Pourriez donner 1 ou 2 euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tipper un créateur que vous aimez pour le soutenir. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent. Vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance. Et vous voulez passer en direct, c'est ça? Oui, je voulais juste, voilà, un peu, parce qu'il y a le prince aussi qui a répondu à mes commentaires sur Facebook. Oui. Donc, en fait, ce que moi je pense, c'est que je suis totalement d'accord avec le prince parce que il a pris une position intéressante pour l'évolution, en fait, de la République du Cameroun. L'évolution dans le sens de la politique, déjà un, que Maurice Kamto a réveillé dans le cœur des Camerounais depuis un moment, mais également le réveil, en fait, de la lecture de la Constitution, des lois, ainsi de suite. Par contre, je pense qu'il y a un problème. Parce que si on n'arrive pas à comprendre qu'il y a un problème, il n'y aura pas d'avancée. Le problème, c'est que moi je le dis parce que j'ai pas de position, le combat il n'avance pas. Le combat n'avance pas pourquoi? Parce qu'il faut pas se leurrer les comment on appelle ça l'international, l'ONU ou machin, etc. Ils ne vont jamais intervenir en faveur des Camerounais. Donc il faut se dire la vérité, le combat il n'avance pas du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Le problème il est où? Le problème est que aujourd'hui, le combat ne rassemble pas tous les Camerounais. Et donc, là où, au lieu de scander Kamto ou MSC ou autre, il faut d'abord commencer par faire un travail sur l'ensemble de la mentalité camerounaise. C'est là où le combat doit être. Donc, Et j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Je vais réagir sur deux points. Déjà, je pense que le Camerounais de 2018 n'est plus le Camerounais de 2020. Si vous avez suivi l'évolution de la politique camerounaise depuis 2018, vous allez voir que au départ, il y avait deux, trois personnes qui allaient sur les réseaux sociaux et qui exposaient du Cameroun, hein, qui exposaient du Cameroun, ce qui se passe au Cameroun, qui est mal. Mais aujourd'hui, les policiers, quand ils vont quelque part pour mener leurs actions, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils interdisent de filmer. Même jusque-là, nous avons des images. Donc, c'est pour vous dire que, en quelque sorte, les Camerounais sont aujourd'hui conscients de ce qu'ils subissent des injustices et qu'ils peuvent aussi le dire. Il y a des gens avec qui ils peuvent les envoyer. Je vais prendre le cas d'une organisation simple qu'on appelle la BAS. Je ne sais pas si on peut appeler ça organisation. Parce qu'organisation, c'est, j'ai mon point de vue là-dessus. Bon, c'est personnel. Mais prenons le cas de la BAS. La BAS aujourd'hui représente pratiquement la partie du Cameroun qui est responsable des injustices faites au Cameroun. Quand je dis la BAS, c'est nous tous, hein, parce que moi aujourd'hui, même si je ne suis pas de la BAS, le mouvement, on me reconnaît au Cameroun comme étant quelqu'un de la BAS. Nous tous qui sommes contre le système camerounais, on dit qu'on est des gens de la BAS. Donc nous représentons aujourd'hui ceux-là qui disent ce que les gars du Cameroun n'arrivent pas à dire. Et si on le dit, c'est parce qu'eux, ils nous donnent cette possibilité de dire. Et voilà la preuve que les choses en fait avancent. Je comprends très bien, Steve. Donc, je suis d'accord que les choses avancent. Il y a même le Covid qui a même participé parce que le confinement a aidé à ce que les gens soient beaucoup plus retournés vers les directs et autres. Donc, ça a participé d'une certaine façon. Par contre, il faut bien le constater avec la marche du 6.
que les gens ne sont pas sortis, malgré la conscientisation, les milliers d'heures de live qu'il y a eu, les gens ne sortent pas. Le truc, c'est que le gouvernement a été très intelligent. Ils ont mis les gens contre les autres. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens, bon, entre guillemets, un peu comme tu as dit que tu es de la basse alors que tu ne suis pas vraiment de la basse. Il y a des gens qui sont traités de sardinats alors qu'ils ne sont pas vraiment des sardinats. C'est juste qu'ils ne sont pas d'accord avec la marche du MSI. Mais quand je dis la marche, la démarche plutôt du MSI, ils sont traités de sardinats. Oui. Et ça fait que les gens, rapidement, il commence à prendre le temps. Ça veut dire qu'il est contre. Vous personnellement, si on regarde 2019, oui, vous personnellement, hein, vous personnellement, qu'est-ce qui, oui, dans la démarche du MSE, ne vous arrange pas? Moi, je vais dire la vérité. 2019, j'étais contre le gouvernement. Enfin, quand il dit contre le gouvernement, c'est contre tout Camerounais. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est que quasiment tout Camerounais qui n'est pas force, qui n'est pas au niveau du gouvernement et tout ça, a des revendications à faire. Donc, je suis dans cette masse-là. À partir de 2019, moi personnellement, peut-être parce que c'est 2019, j'ai senti en fait une création de camps. Il y a eu des camps ethniques. Je ne sais pas qui a créé, les gens disent que c'est le gouvernement qui a créé ça pour diviser les Camerounais. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la base ou je ne sais pas qui est le responsable. Mais la création des camps ethniques, donc moi, je n'ai pas pris part pour une partie, mais je me suis mis au milieu. Je me suis dit, bon, je n'entre plus dans les trucs ethniques, donc je ne défends ni gauche ni droite. Beaucoup se sont démobilisés à cause de ça. C'est ça, en fait. Moi, je pense que le vrai combat que Campo doit faire... Votre position est facile. On aura le temps. Comme je suis déjà pratiquement à la fin de l'émission, on aura le temps de parler de ça dans la prochaine émission. Mais je peux vous dire clairement d'office que votre position est trop facile. Parce que si vous allez dans la rue, il y a une femme qui est agressée ou un homme qui est agressé, que vous ne défendez pas la femme, vous soutenez en fait celui qui agresse. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, dans ce contexte-là, de dire que vous êtes resté au milieu, c'est pas comme si vous êtes, c'est pas comme si vous avez défendu un camp, non, vous n'avez défendu rien en fait. Et vous avez laissé attaquer, par exemple... Stevie, ton exemple, il est concret. Ton exemple, il est vrai. Ça, c'est, je suis d'accord avec toi si tu n'interviens pas, etc. Donc, ça, c'est normal. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde les réseaux sociaux, les deux camps sont violents. Les deux camps s'insultent. Les deux camps, on dirait qu'ils n'ont jamais appartenu au même pays. C'est ça, le problème. C'est ça qui fait que tu ne sais pas, tu ne peux pas défendre un des deux camps. Tu ne peux pas. Même si tu veux défendre en fait l'opposition, aujourd'hui, en regardant les commentaires sur sur Facebook, ça fait peur. Les gens disent, vous allez lire, on va vous tuer, on va prendre les armes. Juste une question, ça va être ma dernière question. Selon toi, celui qui te dit, qui te menace de mort, entre celui qui te menace de mort, celui qui a une armée qui tire sur les gens, c'est qui le plus dangereux? C'est qui qu'il faut stopper? Les deux sont à stopper, non, pour moi. Non, la vie humaine est prioritaire. Il y a les violences, c'est pour ça que même dans les armes, même dans l'usage des armes, il y a des armes, il y a une catégorisation des armes. Non, non, il y a je réponds plus franchement. Il y a des armes à catégoriser. La personne qui tue à l'instant T, c'est la personne qui est à stopper. La personne qui tue à l'instant T, donc actuellement, la personne qui tue, c'est la personne à stopper. Voilà. Donc là, on est déjà d'accord. Là, on est d'accord à ce niveau. Je crois que ce sera quand même la base déjà pour la prochaine émission. On aura le temps d'en parler et je vais faire une émission vraiment consacrée à ce genre de discussion où je vais laisser la peine aux gens. Mais le problème, c'est que les Camerounais, beaucoup n'agissent pas. Je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais je te suis parce que je sais que tu as la pédagogie de l'information. Donc, je préfère souvent appeler plutôt à tes directs. Et je préfère que, franchement, tes prochains directs s'orientent sur ça parce que c'est un des problèmes majeurs actuellement. Honnêtement, pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, le tribalisme au Cameroun. Je vais apporter mon orientation là-dessus. Mais pour moi, honnêtement, je crois que la solution au tribalisme est ailleurs.
si on se concentre tout sur le tribalisme aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'éteindre un petit feu que le gouvernement a mis quelque part avant de fuir. C'est pas en résolvant le problème du tribalisme qu'on va forcément changer le système politique actuellement. Je ne pense pas. Sur le plan stratégique, je crois qu'en démontrant aux yeux du monde que le gouvernement actuel est un gouvernement qui n'est pas légitime, le monde actuel s'en fout. Non, ça, le monde entier, c'est pas eux qui nous intéressent. Le monde entier, pour moi, c'est mes frères. Le monde entier, pour moi, c'est le Cameroun. C'est à eux. Mais s'ils savent et qu'ils n'agissent pas, ceux qui n'ont pas encore bien su. Voilà, le truc, c'est qu'ils n'agissent pas parce qu'ils sont divisés. Moi, je te donne la position de quelqu'un qui n'est pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Je te dis la vérité, c'est que aujourd'hui, moi, je pense que la division vient du tribalisme. La division vient de là. Parce que même les gens qui ne sont pas dans le combat... Mmh. Ils sont persécutés, ils sont, je sais pas, il y a les publications là de celui qui a été falsifié alors qu'il a passé les noms, machin. Je sais pas. Regarde mon frère, tu vois, je tiens dans ma main un thé, tu vois, et tu vois, tant que si je prends le feu et que mon but est de faire tomber ce thé que je tiens en main là, je sais pas si tu peux avoir les images aussi là-bas. Une fois que je tiens quelque chose à main, c'est comme le marionnettiste qui tient la marionnette. Il tient la marionnette par des fils. Tant que vous ne brûlez pas, tant que vous n'enlevez pas la main ou les doigts du marionnettiste sur les cordes de la marionnette, le marionnettiste est toujours un marionnettiste. Il n'est un marionnettiste que lorsqu'il est en possession de sa marionnette. C'est là qu'il travaille. Alors le tribalisme, c'est quoi? C'est la marionnette que le gouvernement utilise pour distraire les gens. Donc si on se courut tous sur la marionnette. La marionnette va se détruire, mais le gars, ses fils, il va réparer la marionnette ou il va même construire une autre marionnette ou construire un autre plan. Par contre, en s'attaquant directement au gouvernement, lui-même va arrêter de se concentrer sur la marionnette et va revenir dans sa position de gouvernement pour se défendre. C'est de ça qu'il est question. Donc, je crois que pour certaines personnes qui ne sont pas lucides, ce genre de démarche gouvernementale, ça fonctionne. Mais c'est un système que la France utilise depuis fort longtemps. Donc, même à travers des histoires de... Même à travers beaucoup d'histoires, vous allez voir que c'est le même schéma qui se répète, et ça devient facile de contrecarrer. Donc, le tribalisme aujourd'hui, ce n'est pas la cible fondamentale pour quelqu'un comme moi. Moi, aujourd'hui, il revient clairement de démontrer aux gens que le gouvernement camerounais, déjà, c'est un gouvernement qui n'existe pas parce que depuis 2016, avec la rupture avec le NOZO, l'État camerounais n'existe que lorsqu'il y a parti anglophone, parti francophone. Il n'y a donc plus cette alliance-là. Le Cameroun, formellement, n'existe plus. C'est clair. Dans l'élection de 2018, déjà, était une forfaiture qui ne devrait même pas avoir lieu sur le plan juridique normal. Maintenant, on peut ajouter encore à ça toutes les exactions que le gouvernement camerounais opère au Cameroun, avec les Maliens, entre guillemets ici, hein, qui ont tué les femmes dans le Nord, avec les élections qui ont abouti à l'arrestation de près de 450 personnes en 2019, la marche qui a abouti à l'arrestation de près de 520 personnes, la marche du 22, vous voyez, il y a autant de choses qu'on peut dire, mais si on se oui, tous sur le tribalisme, le gouvernement a le temps de préparer encore la prochaine autre stratégie. Donc, pour moi, je vais faire une émission sur le tribalisme juste pour dire et laisser les gens dire ce qu'ils pensent clairement du tribalisme. Mais ce n'est pas la cible là-bas. La cible, c'est la vacance du pouvoir au Cameroun. C'est ça qui est vrai. Voilà, pour moi, c'est ma vision des choses. Ok, en tout cas, je pense que le sujet est dense. On ne pourra pas en parler aujourd'hui. C'était pas le. Tout à fait. L'objet. Tout à fait. C'était pas l'objet. Mm-hmm. De toute façon, moi, je te suis. Et si tu lances ce sujet, je vais essayer d'intervenir pour qu'on en parle plus amplement. C'est programmé pour le 16. Le 16, c'est mon prochain direct de cette nature-là. Donc le 16 de ce mois, j'aurai un direct dans ce sens-là. Le 16 à 19h. Mm-hmm. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir appelé. Hein. Ok. Mm-hmm. Bonne soirée, Stifi. Mm-hmm. Bonne soirée au spectateur. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Passez de bons week-ends et bye. Bye. Mm-hmm.